c'est qu'il y a le sang congolais dans cette nouvelle technologie. Et le sang congolais, ça veut dire la matière première qui entre dans sa fabrication, c'est le coltan. Et la façon dont est exploité le coltan au Congo, c'est vraiment une très grande violation de la dignité humaine. Et lorsqu'on parle de guerre, lorsqu'on parle des situations de conflit, lorsqu'on parle de persistance de groupes armés, on doit toujours avoir en tête les conséquences. Les conséquences, c'est les violations des droits des femmes, entre autres le viol et violences sexuelles faites aux femmes, parce que cette stratégie est utilisée comme arme de guerre. Les violences sexuelles sont utilisées comme arme de guerre. Le corps de la femme est utilisé comme champ de bataille. J'ai mon téléphone, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce téléphone? Derrière ce téléphone, il y a les sang des milliers de personnes. Et est-ce qu'il faut continuer à privilégier son plaisir, à privilégier sa technologie au détriment de la vie des autres? Donc je pense que nous devons plus privilégier la paix à travers le monde, privilégier une consommation saine, une technologie saine, parce que il faut fabriquer un téléphone, il faut fabriquer un ordinateur et on ne mérite pas de mourir.